Les gars, j'ai besoin de vous, puisque aujourd'hui, on va découvrir un jeu que je n'ai jamais lancé. J'ai jamais joué, j'ai pas regardé de vidéo, je sais pas ce que c'est. Mais énormément d'abonnés m'en ont parlé, m'ont dit Anas, Brawl Star. Brawl Star Anas, c'est une masterclass, c'est mieux que Fortnite. Il y en a qui m'ont dit carrément, c'est mieux que Fortnite. Et donc du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir le jeu en intégralité. Je l'ai installé et on va sans plus tarder y aller et voir mais c'est quoi le jeu en fait. Je ne connais pas, je vais tout découvrir avec vous et comme je vous disais, j'ai besoin de vous, dans les commentaires, de me faire des commentaires où vous m'aidez en fait. Vous me dites, Anas, il faut que tu fasses ça, t'as mal fait ça, etc. Donc en regardant cette vidéo du début à la fin, vous pourrez me conseiller, parce que je sais que vous êtes beaucoup à y jouer, et au moins je m'améliorerai. Peut-être que même on fera plein de vidéos comme Fortnite sur Brawl Stars et que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Bon les gars, c'est parti, je lance pour la première fois le jeu. Donc du coup, on va découvrir dans connexion au serveur. Alors de ce que je sais quand même, je sais 2-3 trucs, c'est du combat. Donc là, ça met quand même pas mal de temps à charger. Ok, donc elle nous dit, salut moi c'est Shelly, on va récupérer des cubes de pouvoir, faites bouger le joystick. Ok, donc du coup c'est à gauche. Ah ouais, ok, d'accord, y'a pas un sprint? C'est lent. Ok, on récupère tous les cubes. Je sais même pas c'est quoi les cubes de pouvoir. Récupère-les tous, ces cubes de pouvoir sont à moi. Je crois que ce jeu, il faut jouer sur tablette, les gars. Vous y jouez sur tablette ou sur mobile? Oh, y'a des ennemis. Faites bouger le joystick rouge pour viser et tirer. Ah, ok. Avec un tir, je pense, je peux en toucher deux. En fait, tu vois, là, je touche les deux en même temps. Bien joué. Les barres oranges représentent les munitions. Je recharge aussi vite que je peux. Donc, le rechargement, il est automatique. Appuie sur le joystick. Ah, ok. Oh, c'est stylé. T'as pas besoin de viser tout le temps, en fait. Ouh, il a beaucoup de vie, lui. Ouais, l'attaque de ouf. Donc en fait, on a une attaque spéciale, des attaques normales. Ouh, bienvenue dans Brawl Star. Quel est votre pseudo? Nanas. Je suis sûr que quelqu'un me l'a pris, le pseudo. Ah, personne me l'avait pris, c'est nice. Bienvenue dans Brawl Star, quel âge avez-vous? 26. Jouer un combat d'entraînement pour débloquer le reste du jeu. Ok, bah pour l'instant on n'a même pas vu le jeu, hein. C'est vraiment le tuto quoi. Et du coup, bah franchement pour l'instant ça va, je comprends à peu près ce qu'il faut faire. Ok, donc du coup c'est du 5v5. Voilà. Attends, on va récupérer les cubes de pouvoir. Ah mais non, mais ça fait rien les cubes de pouvoir. Il fait mal lui. Ah là, ça dégage. Ah, il y a une zone. Il y a la zone. Ouais, j'ai tout. Il m'a presque tué. Mais il fait trop mal. Mais il est trop fort lui. Mais il est trop fort. Je l'ai battu. Ok, c'était que le tuto, hein. Numéro 1, nice. Ok, donc là, on est enfin dans le menu. Donc du coup, en haut à gauche, on a notre pseudo. En bas, il y a des quêtes. Bon, pour l'instant, c'est verrouillé. On a l'XP. On a en haut les gemmes. Donc ça, je connais parce que j'ai déjà joué à des jeux Supercell. Donc allez, on va faire jouer et on va voir qu'est-ce qui nous attend encore. Je commence à comprendre le jeu, mais je pense que le mieux, c'est d'y jouer sur tablette parce que sur téléphone, je trouve que l'écran, il est trop petit. Alors que même si j'ai quand même un iPhone 15 Pro Max, je trouve que l'écran, il est petit. Mais bon. Allez hop, toi je t'ai touché. Ouh, je commence à être bon, je commence à être bon. Oh lui, il lâche des monstres. Il fait trop mal. Je suis mort. Il fait trop mal son monstre. Je suis sûr que ce, là dans les commentaires vous dites il est trop nul. Mais les gars, je découvre, j'ai jamais joué au jeu. Ok, donc il faut encore que je fasse des combats pour débloquer le jeu. Je pense qu'il faut que je gagne. Mais je pense que la meilleure stratégie, c'est pas d'abord d'attaquer, c'est de récupérer des trucs sur le terrain. C'est quoi ça? Il y a des caisses là. Mais quoi, mais il fait trop mal! J'arrive pas à les gagner. Il fait trop mal en dégâts, c'est abusé. Ok, vous avez gagné une récompense de trophée. Ah, à 8 trophées, je récupère ça. Améliorer les brawlers. Collectionner des points de pouvoir et des pièces. Dépensez-les pour améliorer vos brawlers. Ah, c'est ça, les points de pouvoir. C'est pour améliorer tes personnages. Ah, donc on peut les améliorer. Points de pouvoir à attribuer. J'en ai 200. Donc après, quand j'aurai 15 trophées, je débloque ça. C'est quoi ça? Des crédits. Donc là, si on revient, vous pouvez améliorer un brawler. Appuyez ici. Donc moi, j'ai Shelly. Ouh! Elle aura plus d'attaque et plus de vie. Donc ça coûte 20 d'électricité et 20 de crâne. Ok, ben go l'améliorer. Dégâts plus 30 et dégâts de la super attaque plus 32. Améliorer, bam. Ben j'ai que elle. Donc j'améliore encore, non? Vous me direz dans les commentaires si j'ai bien fait, mais je vais l'améliorer encore au moins 2 fois. Ah oui, là je peux plus. Ok, là je peux plus. Mais j'ai bien fait de l'améliorer 2 fois. Donc là, du coup, on a une icône. Ok. Oh, il y a différents skins. Et donc, du coup, là, j'imagine que ce sera l'endroit où j'aurai tous mes brawlers. Donc, du coup, je vois que il y en a plein. Et vous me direz dans les commentaires, les gars, c'est lequel le plus cheaté. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y en a plein. Il y en a des vraiment cool. Ouah, stylé. Il y en a plein qui ont l'air incroyables. C'est quoi ça? Ah, c'est un verre.
C'est Doug, soutien. Mythique ? Ah attends, il y a des brawlers mythiques et des brawlers moins rares. Ah oui, c'est le fond. Donc en fait, le fond violet, c'est les brawlers épiques. Fond bleu, c'est super rare. Et les verts, c'est rare. Et moi, j'ai premier brawler. Ok, d'accord. Là, je comprends. Je comprends les raretés. Du coup, ça, c'est mythique. Il y a plus rare que mythique. Ah ouais, il y a légendaire. Ah ouais, il y a légendaire, les gars, carrément. Tout ça, c'est des brawlers légendaires. Ou j'imagine que pour les avoir, ça doit être très compliqué. Ça doit vraiment être très compliqué. Dites-moi, les gars, vous, dans les commentaires, vous utilisez quel brawler? Moi, ben pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc du coup, il faut que je fasse plus de combats. J'aimerais bien gagner mon premier match. Bon, déjà, j'ai amélioré mon brawler. Donc normalement, déjà, ça devrait mieux se passer pour moi. Bon, on va mettre les lunettes. Là, on se concentre, on met les lunettes. C'est bon, là, les gars, je me concentre. Je mets les lunettes. Et normalement, les gars, là, vraiment, je vais me concentrer. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, lui, je l'ai touché. Voilà, on va aller petit à petit, en fait, les gars. On va pas se précipiter. Et je fais que le toucher. Mais il a regagné de la vie. Les gars, il a regagné de la vie, il est trop fort. Comment il a fait? Faut pas que j'aille dans le gaz. Ah lui, il veut trop me tuer, lui. Je vais gagner, les gars. Mais comment ça se fait, les gars, il perd pas de vie, je comprends pas. Je suis concentré de ouf. C'est impossible. J'ai plus de vie, presque. Mais les gars, c'est impossible! C'est impossible! C'est impossible! Vous avez vu tous les dégâts que je lui ai mis? J'ai loupé presque aucune balle! Je lui ai mis même mes grosses attaques! Les gars, dans les commentaires, dites-moi, comment je le gagne? Comment je gagne les gens? C'est pas possible! J'ai encore débloqué une récompense, let's go! Ouh, nouveau skin! Nouveau skin, les gars! Nouveau skin pour mon brawler! Bon, j'en ai que, faites pas attention à la marque, c'est à cause de mon bureau. Donc, nouveau skin Shelly, Bandita. Et je vais l'équiper tout de suite, il est stylé de fou. Et donc, demain, si je me connecte, je débloque Daryl ou Penny. Nouveau brawler, les gars! Vous avez des crédits à récupérer. Alors, ça sert à quoi les crédits? Pour débloquer des brawlers! J'ai débloqué un nouveau brawler! Nita est une enfant sauvage qui ne s'éloigne jamais de l'action. Ok, l'ourson sur sa tête sert d'avertissement. Donc les gars, est-ce qu'elle est plus forte que celle que j'ai déjà? Faut que je débloque El Costo. Il me faut 160 crédits. Nouveau brawler. Donc du coup, il est niveau 1 mon brawler. Ah, c'est celui qui avait l'ours! Ok, donc lui il a beaucoup de santé, beaucoup d'attaque. Mais attends, mais il est cheaté. Un objet gratuit. Le magasin est ici. Gratuit les gars! 100 crédits, je vais bientôt débloquer un autre brawler. Ouh, là les gars, hé, j'avance. J'avance dans le jeu. Vous avez reçu des crédits pour El Costo. Ouais, donc il m'en manque encore 60 pour débloquer El Costo. Après, il faudra que je débloque Jesse. Waouh! Je pourrais débloquer un épique. Vous avez débloqué un palier de passe brawl. Il y a un passe de combat, les gars. Jure, je peux débloquer ça? Ah non, il faut payer. Eh ouais, c'est des menteurs, ils ont pas dit. Ah, attends. Oh! J'ai des points de pouvoir. Donc, je vais pouvoir améliorer peut-être mon nouveau brawler. Et aussi, j'ai débloqué ça. C'est quoi, ça? Faut faire quoi? Faut faire quoi? Nice, ok. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire là. De toute façon, hey, je compte sur vous les gars dans les commentaires de m'expliquer qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment améliorer. Et vraiment, je regarderai tous les commentaires. Donc du coup, brawler, j'ai débloqué lui, je peux l'améliorer. Regardez, elle a 4440 de santé, 360 x 5 de dégâts et elle a super chevrotine. Mais il est beaucoup plus puissant, Nita. Nita, il est beaucoup plus puissant. Amélioré. Il est beaucoup plus puissant. On va le choisir tout de suite. Allez les gars, on fait un match avec mon nouveau brawler. Il y a moyen que je gagne mon premier match. Allez, on prie. On prie, les gars. Par contre, lui, je sais pas c'est quoi sa grosse attaque. Non, oh, je me fais détruire. Ils sont trop forts. Cube de pouvoir, les gars. Oh, il est béton mort, lui. Oh, je suis bien. Quoi, il a one shot. Il a one shot mon ours. Oh, je l'ai détruit. Je vais le battre. Je vais le battre. Oui, j'ai eu mon premier kill. Oh, je suis trop fort. J'ai battu. J'ai gagné. J'ai trop fort. Je suis trop fort. Je les ai tous détruits. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Je les ai détruits. Oh my god, je les ai détruits. J'ai gagné mon premier match, les gars. Let's go, let's go. Je vous jure, je suis trop fort. Comment j'ai anticipé leur déplacement et tout. Alors par contre, les gars, on va refaire un tour dans le magasin. On peut voir que si je me connecte avec mon Supercell ID, je débloque Barbata Sorcier qui est épique.
On voit avec le fond, il est épique. Il faut que je le débloque. Après, sinon, tout le reste est payant. Donc, tout est payant. Donc, ça coûte super cher. Et aussi, on avait le pass de combat. Donc, moi, je débloque ce qui est en bas parce que c'est la partie gratuite. Mais on peut payer le pass de combat. Et du coup, on n'obtient que des récompenses de malade. Ça, je sais même pas c'est quoi. C'est des récompenses premium. C'est de la monnaie qui brille arc-en-ciel. Donc, les gars, est-ce que vous me conseillez d'acheter le pass de combat ou pas? Et surtout, est-ce que vous me conseillez de créer mon compte pour débloquer le skin épique? Ça, vous me le mettez dans les commentaires, les gars. Et dans la prochaine vidéo, s'il y en a une, si la vidéo vous plaît, si on fait 10 000 likes, je refais une compte sur Brawl Stars, j'achète le pass de combat, je crée mon compte pour débloquer un brawler épique et on essaye de monter en trophée. Parce que comme vous pouvez le voir, plus je gagne de trophées et plus je gagne de récompenses, donc bientôt je débloquerai des pièces, ensuite des crédits, ensuite il y aura razzia de gemmes, je sais pas c'est quoi, événements d'équipe, événements spéciaux, bref, il y a énormément de récompenses, donc il faut vraiment qu'on augmente un trophée. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était quelque chose de complètement différent que je fais jamais, mais vraiment je me suis dit peut-être que ça va vous plaire de faire du Brawl Stars sur la chaîne. Donc tenez-moi au courant dans les commentaires si ça vous a plu. Lâchez un maximum de pouces bleus si ça vous a plu. Et nous, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nana, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.